Salut. 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 Le feu, je me suis tapé sur le feu. Bonsoir, je voulais savoir, est-ce qu'il y a une... Parce que j'avais remarqué qu'il y avait un channel Battlefield 3, mais je trouve que je viens depuis quelque temps, il n'y a personne. Et Et bon, bon, j'ai alors alors tu tu viens. viens. Bon, en général, bon, je vais pas vous mentir, je suis chômeur. Donc je viens très tard, je commence souvent la journée vers 23h et je termine vers 4h, 5h. Ah, pas beaucoup de monde à sortir, hein. C'est normal, hein. Très bien. Mais en temps normal, il y a des gens ou pas? Ah oui, il y a du Il y a du monde le monde ce soir. soir. Il va y avoir du monde demain. Beaucoup demain. Et Mais vendredi, il va y en avoir encore plein. les joueurs, c'est des joueurs FIFA ou ils sont là pour la compète? Il y a de tout. Mais Mais plutôt plutôt pour pour le le plaisir, plaisir, ils ils sont sont là. là. D'accord. Parce qu'à vrai dire, en fait, il y a quelques années, j'étais un petit peu dans la, comment dire, dans la compétition sur BF3. Et je comptais en fait sur vous pour monter une petite équipe. Et Et là, là, t'es t'es dans dans un... on est on est dans dans un un channel channel Diablo, Diablo, nous on nous on joue à joue à Diablo. Diablo. Je veux bien le savoir. Mais le souci, c'est que j'ai pas envie de me prendre la tête en ce moment sur tout ce qui est communauté. Je vais RFF femme. Moi, je suis en train de viser plus haut. Donc, l'idéal, c'est que tu me dises en fait les pseudos des joueurs. Je les contacterai personnellement. Et puis voilà. Il vient de la Je journée, hein. Je peux peux pas pas dire dire les les jeux. jeux. Les FPS, je joue pas donc. Les FPS, tu joues pas? T'as jamais joué à CS, par exemple? Non. Non, Non, j'ai j'ai jamais jamais joué à joué à CS. CS. Très bien. Je voulais savoir également, je suis désolé de vous déranger dans votre partie, mais pour le badge, faire comment? Pour faire quoi? Pour le badge, faut faire comment? On sait rien, je m'occupe pas de ça donc. Qu'est-ce que j'apprends? Oh le balèze. Je m'occupe pas des sections de FPS, donc il faudrait que tu reviennes la journée quand il y a AK-47 ou il y a 7. D'accord. FRG, juste une dernière question. Est-ce qu'il y a un forum où je peux laisser un message et ils le verront ultérieurement parce Oula, que... y a un boss derrière, Romain. Il fait super mal. Pas de forum actuellement, donc y a qui qui est là. Parce que j'étais dans une communauté il y a quelques temps, et le forum c'est important. Ça c'est quelque chose à mettre en place. Ça c'est des suggestions, donc si je peux pas faire partir du staff. Bon, Oui. bah, Oui. t'as qu'à descendre, tu vas dans autre jeu, là, tu trouves un Un mec, mec, un un officier officier qui qui s'appelle s'appelle 7, 7, et et tu tu le le demandes demandes à à lui, lui, là, là. en bas, c'est un responsable, Responsable. hein. D'accord. AK-47, Osmose, 7, il y a des AK-47, joueurs qui sont en bas dans autre jeu, dans le bas du TS. Rainbow Donc tu leur Six. demandes à eux, ils pourront te renseigner, hein. Overwatch. Je vois pas les joueurs là que tu me dis. Attends, FRG, est-ce que c'est Ouais. possible que tu me switches directement parce que t'as les droits? Bonsoir. Putain, il m'a pas switché. Ce con là. Il a pas. Mais je sais pas, il est encore là, le machin là, c'est lui là. De quoi, Siri? Tu parles de moi? Parle pas de toi. D'où tu me parles de moi? Sur la tête de ma mère, tu me parles bien. J'ai pas envie de me prendre la tête. Oula, qu'est-ce que c'est que Alors ça? toi et moi, on va avoir une discussion directement, mon gars. Attends, j'arrive. Je déco, je reviens. Aïe. Et là, ça va commencer, là, les mecs. Là, ça va commencer. C'est parti, Encore des showtime. oubliéros. Attends, j'étais en train de régler un compromis, là. Y'a pas de compromis qui tienne, tu viens avec moi, puis c'est tout. Attends, je sais plus dans quel channel je suis. Le channel, est... le TS, il est super grand. Là, je suis où, là? Là, t'es tout en bas dans l'autre Déjà jeu. bonjour pour commencer, non? Ouais, en Non, plus, bonjour, déjà je on suis... est Non, mais venu. je suis poli, je suis poli. Bonjour à vous. Bonjour à vous. Salut. Bon, je me présente, Sida 65, 75, du département. À la base, je suis venu pour chercher des joueurs de BF3. J'ai parlé à votre collègue, FRG. Il m'a dit que, en fait, j'ai pas eu trop de soucis avec lui. C'est surtout la personne qui m'a manqué de respect juste en haut. Qui Donc ça? j'aimerais déjà. Je sais plus son pseudo FRG. là. FRG? FRG? Non, pas FRG, j'ai pas eu de problème avec lui. Il m'a Si. gentiment répondu. C'est qui FRG qui lui a manqué de respect? Les Eh, gars dans t'appelles son comment toi? channel là, Tinunabus là, je sais plus son pseudo là, ça finit par Us. Ouais, mais attends, comprends, là, t'arrives dans un Dans channel, un les mecs channel, les mecs sont, ils sont sont en en train train de de travailler travailler en en hardcore hardcore à à Diablo, Diablo, donc donc le le mec mec a a peut-être peut-être pas pas envie envie de de te te parler, parler, donc donc c'est c'est pour pour ça ça que que je je te te dis dis qu'il qu'il faut faut qu'il qu'il faut faut qu'il qu'il aille aille au au bon bon endroit. endroit. Je suis Je suis désolé, désolé, mais mais c'est c'est un un minimum, minimum, on on manque manque pas pas de de respect, respect, on on manque manque pas pas de de respect respect de de cette cette manière. manière. Alors Alors limite limite tu tu le le dis, dis, moi moi j'ai j'ai pas pas compris compris à à l'époque. l'époque. Moi Moi je je sais sais très très bien bien que que quand quand je je suis suis en en compétition, compétition, j'aime j'aime pas pas qu'on qu'on me me casse casse les les couilles.
Mais la manière dont il m'a répondu, c'est qu'il me connaît pas. Moi, je suis DAF75. Il apprendra à me connaître mon pedigree sur BF3. Moi, j'ai fait des LAN, monsieur, donc arrêtez de... On dirait... On va se calmer, on va se calmer, on va tous se calmer direct, ça va mal partir. T'es raciste, t'es raciste parce que j'ai un accent du sentier, parce que t'es raciste, c'est ça. Non, non, mais non, arrête. Ça a le droit de... Attends, ton accent, ça a le droit de me rappeler quelque chose. Je vais mouf, je vais mouf. Sans que ça soit raciste. FRG, viens avec moi. Oui. Merde, il y a un autre jeu, toi. D'accord, je comprends plus rien. Vous m'avez switché avec plein de gens. J'ai pas envie de parler à ces gens-là. J'ai envie de parler à des responsables avant tout. J'ai pas envie de parler à des rigolos. Je suis responsable. Très bien. Bah, tu diras à l'autre guignol là qu'il arrête la prochaine fois parce que moi je me prends pas la tête. Moi je suis quelqu'un fun. Bon, bref, juste dans l'histoire, t'es arrivé dans le Chanel. Puis Mistreux, si t'as mal parlé, c'est ça? Exactement. Attends, je sais pas qui c'est parce que moi si j'ai envie d'évoluer dans une communauté, je te dis déjà, je te dis direct, Gore. Moi je suis quelqu'un qui est très avenant. Je vais vers tout le monde. Le but à la base, moi je suis un multigamer. Je suis un multigamer, c'est-à-dire que je m'intéresse à pas mal de jeux. Donc s'il ouais, faut que j'aille jouer avec d'autres avec dans la communauté, bah je le ferai. Oui, oui, pas de soucis, non, bah, pas vraiment, on est là pour ça, mais si Mistreux t'a parlé, attends, je vais vite aller le voir, parce que c'est pas... Oh, putain, même s'il est en pleine partie, il dit, on est en partie, désolé. Mais c'est la manière dont il a... Moi, je le savais pas, j'ai parlé à FRG, et la manière dont il me dit, il a dit, j'espère qu'il a été switché, le gars, je sais pas ce qu'il a dit, le feu, j'ai un truc dans le genre, moi, je suis... Très bien, c'est vrai que ça m'a desservi l'accent du sentier, mais bon, je parle comme ça, c'est voilà, c'est dans chez ma vie, je peux pas changer. Ouais, non, mais je vais vite aller parler, attends. Je reviens. Mais attends, parce que moi je suis quelqu'un de fair play. S'il est en pleine partie, à la limite, t'attends 5-10 minutes. Ouais, minutes. Non, mais je vais lui demander si dès qu'il a fini, qu'il descende. J'arrive. Attends, je vais vous mettre le TS maintenant. Oh merde. Alors en fait, je vous explique. J'étais en fait dans le premier channel, je crois que c'était je crois que c'était le Diablo 3, je crois qu'ils étaient en train de jouer. Et en fait, il m'a switché ici là dans cette zone là et là, j'étais pas bien. Là j'étais en... il y avait tous les responsables et j'ai pas apprécié là. Vous avez vu, voilà, là j'aime pas me faire prendre en double peiné de partout là. Ça faille ressembler à une scène de Bukkake. Moi, je suis pas comme ça moi. Moi, j'ai envie de parler règle homme à homme moi. Merci. Non mais t'inquiète pas Bumblebee, je ferai en sorte que voilà, qu'il y ait rien, le but c'est au nom de l'humour bien sûr. Tu vois qu'en faisant une imposture de cette manière, voilà le bordel que tu peux créer. Le mec est le pauvre, il a rien demandé. Le pauvre. Il est où là? Voilà, c'est Mysterious, il est là. Là ils sont en train de lui parler là. Attends, j'y vais. Canal, et il commence à raconter sa vie, parce que vraiment il raconte sa vie là. Oui mais voilà, parce que j'en avais marre d'attendre. Je suis désolé, mais c'est pas être désagréable. Il va pas être désolé, c'est que la manière tu l'as pas mise, Mysterious. Ouais, il a un accent assez non prononcé, ça peut être un peu agressif, je suis désolé, Dave, c'est vrai que t'as un accent prononcé. Quand je suis dans le sud de la France, on me prend pas la tête, hein. Je te dis. Ouais, hein. Non, t'as un accent assez poussé, ça peut se prendre un peu à l'agressif. Bon, je le prends pas comme ça, tu vois, j'ai un peu l'habitude. Y a pas de problème. Moi, je suis quelqu'un de nos limites, je te le dis. Voilà. Je voulais pas être agressif, hein, c'est qu'on parle, voilà, on est sur un canal de jeu. On joue en hardcore, j'ai besoin que mon pote film m'aide en catastrophe. Je comprends, moi j'ai fait de la compétition sur BF, même sur CS, et il est vrai que des fois, ça peut arriver qu'il y a des trolls, il y a des gens qui te dérangent, des jeunes pyjamas. Moi ça m'est arrivé dans mes parties, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me prends plus la tête, hein, j'ai changé. Mais voilà, c'est la manière dont tu t'es exprimé. Voilà, peut-être qu'il était en plein jeu, il a pas voulu, c'est sous le coup du stress, tu vois. Ouais, il est quand même en hardcore. Il n'y a pas de problème, Mysterious, parce que moi je suis quelqu'un de communautaire. J'étais chez les 404, j'ai été chez les Bayo, j'ai été chez les Kazeden. Voilà, ils m'ont viré, alors je sais pas pourquoi. Donc aujourd'hui, je trouve que cette communauté, déjà, la manière dont vous m'avez accueilli, c'est vraiment très exemplaire. J'ai jamais été accueilli de cette manière, donc déjà merci FRG. Donc, il n'y a pas de problème. Bon, voilà. Je vais évoluer de mon côté, il n'y a pas de problème. Non, mais pas de soucis. Enfin,
Je me suis fait virer des chiffres et des lettres. C'est quand même du hardcore dans Diablo, donc s'il perd son perso, c'est vraiment une mort définitive, tu vois, il doit recommencer du début. Hein, donc, Et le pire dans tout ça, c'est qu'en c'est fait, ça, quand il a dit il est revenu, il parlait du monstre, en fait. Je crois que vous êtes mal compris. Ah ouais, d'accord, du monstre. Voilà, en plus, si il me prend pour un monstre, hein, tu me prends pour un monstre, Mysterious. Me prends pas pour un monstre, je suis gentil. Non, non, mais bon, voilà. Voilà, tu vois, je prends toi la rigolade, je sais pas que je suis... Sans animosité, tu es d'où pour avoir un tel accent? En fait, je suis de Paris, je suis du sentier. En fait, en ce moment, bah, je suis, comment dire, je suis au chômage, j'ai travaillé dans le sentier pendant pas mal d'années, on m'a fait croquer. En fait, je sais pas si tu connais, ma famille, c'est les Lévy. Dans Paris, ils détiennent les trois quarts des magasins du sentier, on vend du textile. Est-ce que ça te parle? Vaguement, oui, enfin, je connais pas trop, mais... C'est le quartier du Marais, tu reviens. Ouais, voilà, pas très loin, bon. Et donc voilà, on a des business, mais c'est juste qu'aujourd'hui j'ai envie de prendre le temps de monter un petit projet dans l'e-sport. Donc j'ai pas envie de me prendre la tête en ce moment, de la vérité, tu vois, ça m'est passé au-dessus de ça, voilà, au-dessus de la tête, tout ça. Aujourd'hui j'ai envie de me poser tranquillement avec mon ordinateur, jouer avec des gens réglo, et puis voilà. Ouais, bah on va regarder pour l'e-sport, et puis on va voir ça. Non, ouais, c'était surtout pour le souci un peu, la petite embrouille, quoi, c'est réglé, déjà réglé ça, quoi. Si c'est, ouais, de toute façon, rien, à l'avenir, on verra. De toute façon, Mysterious, il doit certainement jouer à d'autres jeux, à part Diablo. Parce que Diablo, on peut le dire, hein, il n'y a pas vraiment d'avenir dans l'e-sport. Hein. Sans vouloir te troller. Il n'y a pas que d'e-sport ici, t'inquiète pas. D'accord, très bien. Mais qui parle de bête. Bah écoutez, les gars, bon jeu. En tout cas, ouais, re-switch-moi, Talgor. Ouais, je te switch. Merci. Ah, merci, bonne partie à vous. Hein. Désolé encore pour le dérangement. Bonne partie. Merci, salut. Il m'a pris pour un. Bon, raconte-moi, qu'est-ce que tu viens faire ici? Attends, par contre, le petit Mysterious, il m'a dit du marais, il m'a pris pour un gay. Mais bon, je voulais pas revenir dessus sur la blague, mais. Non, mais. Je le connais pas trop, tu vois. Je joue pas. Parce que moi, je suis pas un homo, hein. Mon trou de sortie, ça reste un trou de sortie. Hein. Je te comprends. Ah, ils sont pas méchants, mais tu vois, je sais pas si tu joues à Diablo, mais... À vrai dire, je connais pas la communauté. Moi, je suis là pour apprendre à connaître tout le monde, tu vois, j'ai sans pression. Y a pas de mal, mais vu qu'il est en hardcore, tu vois, si t'as joué à Diablo, faut pas oublier qu'en hardcore, s'il meurt avec son perso, il est vraiment mort, il doit recommencer un nouveau perso. Son perso, il est shut down. Voilà, ouais, donc... Enfin, je veux bien comprendre qu'il soit vite énervé, surtout que t'as une voix bien grave, elle est assez imposante, tu vois, donc... Bah c'est vrai que physiquement je suis assez imposant déjà. On m'appelle le placard du marais. Ouais, merci à toi Topher, j'arrive pas à voir. Bon. Merci mon petit Topher, attends l'ambiance. Allez... Merci mon Topher, j'ai pas la bombe au cul. Tu m'as l'air. Alors, je suggérais à FRG, j'en ai parlé un petit peu brièvement, ça serait de faire un forum, parce que c'est ce que j'ai vu la dernière fois, pour échanger c'est vraiment pas mal. Ouais. Alors, je sais pas si vous avez des moyens en termes de serveur, mais moi je peux fournir. Je fais quelques petites magouilles en ce moment sur internet. Je sais pas si tu connais les skins CSGO. Je suis en train d'en fourguer, d'en vendre, d'en arnaquer. Donc, j'ai un petit compte PayPal et je peux fournir si vous voulez. C'est pour moi. Après, je te cache pas que cet argent est légitime, hein, mais bon, au moins, c'est blanchi. Ouais, non, bah ça me regarde pas, tu vois, je m'en fous. Voilà. Ça, c'est non, parce que j'ai déjà eu affaire à des gens, et bah, ils avaient un code de l'éthique, mais qu'est-ce que le code de l'éthique? Qu'est-ce que j'apprends? Ah, sur le coup, c'est vrai que ça m'a un petit peu énervé, mais bon, là, au moins, je vois que c'est sans pression, il n'y a pas de prise de tête. Moi, j'aime bien. Non, après, ton argent, enfin, les serveurs que tu héberges toi-même, ça nous regarde pas, tu vois, si tu partages avec la communauté, tant mieux. Après, comment tu le. Enfin, d'où vient l'argent, on s'en fout, tu vois, c'est pas notre problème, ça. C'est un détail. Non, pas de soucis. Bah écoute, tu montais d'e-sport sur BF3, enfin, je sais pas quel jeu tu veux faire. Bah, j'ai pas mal de collègues, j'ai déjà un binôme avec qui je joue, je sais pas si tu as entendu parler. Tal, on avait une ou deux questions à demander. Si jamais je veux laver le sol, il me faut quoi, du coup, à part la javel? Un javel, puis un chiffon ou bien une serviette. C'est quoi? Ok, d'accord. Ok. Mais il va dans tous les channels, j'ai l'impression. Ouais, tant qu'il fait que dire bonsoir, je m'en fous. Ouais, bon. D'accord, il faut pas de balai ou de trucs comme ça? Il parle de balai! Juste l'eau de javel, puis une serviette, et puis tu peux laver le sol. Bon, merci. À tout.
À toutes. Qu'est-ce qui part du balai? Vous avez un local à gérer ou quoi? Non, non, on joue à Project Zomboid, je sais pas si tu connais. C'est pas possible. Un jeu de simulation. C'est pas possible, c'est un troll, c'est pas possible. Du coup, quand il y a des taches de sang, faut les nettoyer. D'accord, je comprends bien. Bon, en tout cas, on enchanté de vous avoir fait votre reconnaissance. Monsieur Talgor, monsieur oui. Seth, je vais devoir disposer parce que je dois continuer à... Je vais chercher quand même... Alors, je te parlais, ouais, j'avais un binôme. J'ai un binôme, je sais pas si tu le connais, c'est Levi94. Il va venir de temps en temps, il sera en train de jouer avec moi sur le TS parce que... Et je voulais savoir, vous faites pas des badges? Des badges? Des badges? Des badges? Qu'est-ce que tu veux dire par badge? Des badges TS pour qu'on le reconnaisse, parce que j'ai pas envie d'arriver ici et qu'on prenne pour un étranger. Déjà qu'en France, en ce moment, je suis pas bien intégré. En fait, si pour les badges, il faut aller voir AK, en fait. C'est lui qui crée toutes les permissions. Donc si tu veux faire un e-sport, en fait, si ce sera toi, le modérateur du channel, de ton groupe, t'auras une bannière à toi, leader, BF3, tu vois, un truc comme ça. Et après, si tu veux, ça c'est avec Execo qu'il faudra regarder, il pourra peut-être te faire encore un autre groupe, genre BF3. De ton groupe, tu auras une bannière à toi. J'entends rien. Salut une Baker, t'as un écho de ouf, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il fout là? C'est ton pote. Une Baker, si t'arranges pas ça, je te move. Attends, bouge pas. Okay. Mouvre-le là, chez un foot. Qu'est-ce qu'il fait? Non, il a répondu. Ah, bah, très bien, mais il fait de l'écho. Et... C'était un troll qui était juste là pour nous emmerder. Je l'aurais déjà banni. D'accord, y'a pas de problème. En tout cas, je vois que vous êtes très réactif au niveau des trolls, ça fait plaisir. Oui, oui. En général, moi je suis là jusqu'à 5h du matin, donc voilà quoi. Alors, ce serait possible pour notre channel de mettre dans la description de mettre une petite bannière. Alors, je vous cache pas que j'ai. Bon. Mon collègue, certainement, il aimerait bien une petite étoile de David, mais je dirais que non, c'est pas possible, parce que je pense qu'ici, c'est laïque. On n'est pas sûr ça. Après, tu vois, nous, Seth, il est encore officier, tu vois, il a un peu son mot à dire, entre guillemets, tu vois. Mais moi, en tant que modérateur, je peux juste modérer, je peux suggérer, je peux passer le message que tu veux faire un groupe pour e-sport et tout, tu vois, tranquille. Il va pas refuser, hein, il est ouvert, c'est assez ouvert, hein, on a souvent des groupes qui arrivent. Ils créent leur channel, ils sont là pendant 5-6 mois. De toute façon, le but, c'est de représenter un petit peu la communauté, de montrer un petit peu qu'on est avenant, qu'on est un petit peu bonne ambiance. Et ça me va, tout ça, ça me va. De toute façon, moi, tu sais très bien que la compète, c'est un petit peu derrière. Aujourd'hui, j'ai déjà fait carrière sur BF3, sur CS. Comme je t'ai dit la vérité, je me prends plus la tête. Moi, le principal but maintenant, vu que vous m'avez accueilli avec beaucoup de gentillesse et beaucoup de... pas d'hostilité, mais le contraire. Voilà, on est d'accord. Donc je suis déjà très honoré de pouvoir être responsable de cette section dans un premier temps. Et pour les serveurs, on se démerdera. Et puis voilà, sur les serveurs publics, tu sais aussi bien que moi que c'est important de véhiculer une très très bonne image de la structure. Et je voulais savoir, pour le tag. Oui. Pour le tag. Le tag, c'est SKC normalement. Oui, d'accord. Le tag de la Skillcom. Donc, oui, c'est ce qu'a fait. Après, tu peux encore. Vu que même si tu fais de l'e-sport, puis que tu auras tes channels perso, tu peux avoir un autre nom. Tu n'es pas obligé d'avoir ce tag. Tu vois, c'est pas réglementé au point d'avoir le tag du TS ou bien le nom du TS en team. Tu vois, tu peux vraiment créer ton propre. Ton propre truc, quoi. En fait, pour le moment, comme on avait un site qui est à l'arrêt, mais bon, ça, je ne peux rien dire vu que ce n'est pas forcément moi qui m'en occupe. Il est en maintenance, ça fait un mois qu'il dit qu'il doit le relancer. Ouais, mais c'est pas, comme je dis, c'est pas à moi de faire ça. En fait, en général, comme il contient notre team en question, la team peut prendre le nom qu'elle veut. Par exemple, mettre ton nom et SKC. Ou simplement mettre ton nom et en fait, déjà sur Steam, j'ai créé un petit profil sur Steam déjà, SKC. Voilà, il existe déjà. Hein. Le groupe Skillcom existe déjà. Il existe déjà, on est partout, t'inquiète pas. Et très bien. Admettons que on est connu là, on est connu dans le business maintenant d'e-sport. Admettons que tu crées un groupe sur le site. Un groupe par exemple, la team du sentier. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être XYZ. Mais bon. N'importe quoi, mais il faut que du sentier, ça sonne bien, oui. Ouais, mais bon, il faut toujours qu'il y ait du respect parce que
tient toujours au nom, au au respect quoi. On avait une team une fois, les bougnoules du je sais plus quoi, ils sont oh, putain, 67, oh putain, alors ouais, ça c'est ouais. Non, ouais, faut pas déconner non plus quoi. On est comme dire, on est un peu laxiste mais sur des trucs pareils non. Mais je te dis, on laisse la liberté, mais dès que ça va en cacahuète... Normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis, hein. On en parle à Execo, puis je pense pas qu'il y aura de problème. Hein. Bah, non, je ne vais pas les embêter, parce qu'ils sont vraiment très gentils, les gars. Franchement, je ne vais pas les... Voir, en fait, directement. Voilà, par contre, reviendra. Voir, où il viendra te dire, ouais, je te move, on va parler, tu vois, il va discuter un peu avec d'accord, toi, très bien. Après, vous regardez entre vous, mais normalement, c'est largement faisable. Quoi. D'accord, bon, sur Paris, je connais un ami, il a des réserves d'ordinateurs, de computers... Donc, si vous désirez faire des LAN, il n'y a aucun problème pour organiser des événements. Bon, par contre, ça va être derrière l'arrière-boutique. Il y aura pas mal de jeans, des vêtements, enfin des tissus et tout ça. Donc, bon, faites moi, pas attention. Ouais, bon, mais en tout cas, au moins, ouais. Ça, c'est un détail, tu vois. Moi, j'habite en Suisse, donc dans tous les cas, tu vois, je pourrais pas. Donc, Moi, c'est la Belgique, donc. À Paris-Genève, c'est possible en train. Ouais. En train. Je préfère le faire en voiture déjà, mais j'ai pas les moyens. Cher. J'ai pas les moyens. D'accord, bon, sur l'arrière, on fera ça, donc. Il n'y a pas de problème. Oui. Il y a plein de monde qui habite sur Paris. Il y a AK déjà, responsable. Ah, ça c'est intéressant. Bah, si on peut organiser un petit événement, ne vous en faites pas les frais, c'est pour moi. J'organiserai une petite réception. Bon, on verra. Là, c'est que le début. Ouais, j'apprends ça, à vous connaître. Temps, enfin, voilà, c'est avec le temps. C'est avec le temps, exactement. La vérité, tu commences à comprendre les choses, Talgore. Ouais. Allez, Dave. Bah oui, la vérité. Dave. Oui, c'est là. Je sais pas. Non, bah pourquoi tu cries au fake direct? C'est pas parce qu'il y a une voix un peu Dave, imposante. Avant que... de vouloir organiser, tout, comment dire, la... Non, dire la fête du 14 juillet, on va dire. De toute façon, ça sera surtout des gens de Paris, des franciliens. Oui, voilà. Mais pour le moment, installe-toi. Enfin, comment dire, essaye de, comme dire, de rentrer en contact avec Execo, de bien gentils, s'installer, sont vraiment gentils, de jouer au PPR. Parce qu'on est là avant tout pour ça. C'est pour le fun, moi comme moi, déjà c'est pour le fun, c'est pour le fun. C'est important aussi que vous, voilà, vous me testiez un petit peu dans la durée. Dave, je te laisse, je dois aller parler à quelqu'un plus haut, il vient d'arriver, il veut des infos. Seth, je te laisse regarder encore. Il n'y a pas de problème, Talgore, de toute façon je vais m'en aller. Je te souhaite une très bonne soirée, Talgore, merci encore pour l'accueil. De rien. Ça m'a fait plaisir. Ouais, pas de soucis. Et on verra ça. Ouais, allez, bon, ciao à toutes, Dave, et puis à tout à l'heure, Seth. Il n'y a pas de problème. En tout cas, merci mon petit Seth. Je vais devoir. Ouais, j'arrive, je te mouvons. Vas-y, c'est quoi, Trigo, c'est... Qu'est-ce que c'est que c'est... Ouais, je comprends plus rien, là. C'est, de toute façon, moi, j'ai pas mal d'ambition. J'ai pas mal d'ambition. Tu connais, tu sais que sur Paris, il y a la Paris Games Week. Oui. L'année dernière, j'ai travaillé, bon, en tant que... Comment dire, les gars qui travaillent dans les stands, je m'occupais, enfin, de distribuer les... C'était pour un ami, il dirige une structure e-sport. Je vais voir si on peut pas... Tu vois, caler un ou deux mètres dans le stand pour parler un petit peu de la structure. Je vais faire ça pour la saison prochaine. On verra bien. Ok. Mm-hmm, ça, oui. C'est pour moi, ça. Mais comme je vous ai dit, c'est aussi une petite phase de test entre vous et moi. Pardon, parce que désolé, je suis en train de regarder en fait un... Il n'y a pas de problème. Une vidéo sur un jeu à côté. D'accord, il n'y a pas de problème. Donc, on verra pour la Paris Games Week. On va faire quelque chose de très grand. Je vais aller maintenant. Je te souhaite une bonne soirée. Je reviendrai avec mes coéquipiers, ok? Ça marche. Ça marche, c'est... Allez, n'oublie pas, hein, la vie est une fête, et prends-la comme du velours. Ciao, ciao, mon ami. Bonne soirée à toi. Bonne soirée. Allez, on décroche. Waouh, waouh, franchement, super bon, ils étaient super bons. Moi, j'ai kiffé la gueule, hein. Non, non.